24 heures après son investiture, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, a nommé Emmanuel Issoze Ngondé au poste de Premier ministre. L'annonce a été faite le mercredi 28 septembre 2016 par le secrétaire général de la présidence de la République, Étienne Massard. Par décret en date de ce jour, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a nommé Monsieur Emmanuel Issoze Ngondé, Premier ministre, chef du gouvernement, et lui a demandé de former un gouvernement d'ouverture. Ce gouvernement aura pour mission de poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent pour une République plus prospère, plus juste, plus solidaire et apaisée. Ce jeudi à Libreville, la nomination du nouveau Premier ministre fait la une des journaux et alimente les conversations. Pour les analystes, elle marque la rupture avec les vieilles habitudes. Franchement, un peu déçu. D'abord, de toutes les façons, c'est un allié. C'est un allié à lui, sincèrement. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte des votes des Gabonais, vous savez. Donc, pour moi, il n'y a pas de solution. Alors là, je vous dis, là, on rentre dans une grande galère. De toutes les façons, c'est les mêmes hommes. Alors donc, il n'y a pas de solution pour le Gabon. En tant que Gabonais, je dis que c'est une bonne chose, dans la mesure où l'on constate que le président veut aller vite. C'est le souhait de tout un chacun de voir que ce gouvernement puisse travailler, que l'on puisse mettre au devant l'intérêt général de la nation. Emmanuel Issoze Ngondé, 55 ans, originaire de Makoku, dans la province de Logo-Ivindo, au nord du Gabon, était jusqu'à ce jour le chef de la diplomatie gabonaise. Il a représenté le Gabon dans de nombreux pays, notamment au Cameroun, en Grande-Bretagne, au Canada, en Allemagne, en Corée du Sud et également auprès de l'Union africaine à Addis-Abeba, puis auprès de l'ONU à New York.